Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission qui va, je le crois, répondre à un besoin dans la vie de certains. Il y a une fin à cette souffrance dans ta vie recevez ah, bien cette bien parole d'encouragement pour vous aujourd'hui. Et nous avons un invité qui est avec nous, le pasteur Daniel Chéri. Bonjour, pasteur Daniel. Bonjour, bonjour. bonjour Comment allez-vous Ça va bien. Ça, ça va, va bien, bien par la grâce de Dieu. On est très heureux de vous avoir avec nous. Vous êtes donc pasteur de l'église Le Refuge à Montréal, pasteur exactement. et fondateur. C'est vraiment une église que vous, avez, euh, que vous avez créée. Ça fait combien Sept ans, je crois ça, ça fait sept ça ans, exactement. Félicitations. Hein. C'est du travail. Oui, oui. <rire> <rire> Beaucoup de travail. Oh oui. <laughs> Et aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous parler de ce thème de, de l'épreuve, de la souffrance. Oui. Et tout à l'heure, vous allez faire une rubrique Conseil du coach euh, de la souffrance à la puissance. C'est un thème euh, qui a l'air vraiment d'être puissant. Oui, en effet, euh, je crois qu'il euh, y a, il y a euh, une puissance lorsqu'on souffre. C'est sûr que c'est pas le fun pendant qu'on passe par là, ouais. mais certainement il y, y, y a quelque chose de l'autre côté de la souffrance. Mmh. Ouais. Amen, amen. Ouais. Ça c'est l'encouragement. Quand on sait ouais. où on va et on sait qu'il y a mieux de l'autre côté. Vous en parlerez euh, tout à l'heure dans la rubrique Conseil du coach. Voilà. Et euh, je veux vraiment vous encourager à la maison avant cette émission à vous attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Si vous passez par des temps difficiles, c'est une émission qui est pour vous et on croit vraiment, on a prié pour ça. On croit vraiment que Dieu va se glorifier dans cette émission, dans vos vies et va vous relever de votre détresse. Et Aurélie, on va commencer tout de suite cette émission avec toi dans la pensée du jour. Aujourd'hui, je viens vous annoncer que votre souffrance ne durera pas toujours. La vie est remplie de défis et pour plusieurs d'entre vous, ça fait des années et des années que vous êtes dans cette situation et vous vous posez la question, mais quand enfin je m'en sortirai de cette situation j'ai envie de vous dire aujourd'hui que par la grâce de Dieu, quel que soit le degré de la souffrance par laquelle vous pouvez passer aujourd'hui, quelle que soit la durée de cette souffrance, que ce soit une maladie incurable, peut-être vos enfants sont partis, peut-être dans votre couple, il y a des difficultés terribles, dans votre cœur, vous avez mal, vous êtes tourmentés, quel que soit le degré de ces choses, sachez que la bonté de Dieu parlera en votre faveur. Cette souffrance finira certainement. La Bible nous montre de nombreux cas de personnes qui, après des années de galères, du jour au lendemain, elles ont reçu des délivrances incroyables. On a la femme à la perte de sang. On peut lire son histoire dans Matthieu 9, dans Luc aussi, on peut lire son histoire. Douze ans, elle est allée de médecin en médecin sans succès jusqu'au jour où elle a rencontré Jésus-Christ. Quand plus rien ne va, quand vous avez déjà tout essayé, je vous encourage vraiment à vous retourner vers l'ultime solution valable, qui n'est autre que Jésus-Christ. On a également le cas de Bartimée. La Bible nous dit qu'il était mendiant et aveugle. Cela faisait des années certainement qu'il se tenait là. Les gens le voyaient mendier. On était habitués à le voir. Mais un jour, il a entendu que Jésus passait par là, et ce jour-là, ça a été le jour de son miracle. On a également l'homme de la piscine, 38 ans, passé à attendre. Il regardait certainement les autres qui réussissaient à plonger dans cette piscine et il les regardait comme ça chaque fois et puis il se disait mais quand sera mon tour Et un jour, Jésus l'a rencontré. Mes amis, à travers ces exemples, je veux tout simplement vous dire qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place dans la souffrance qui font la différence. Et au nombre de ces choses, je vais vous citer quelques-unes. Je vais vous encourager à être fort à l'intérieur de vous-même en fixant le regard sur Jésus et en développant votre foi. Vous savez, je vous ai parlé de cette femme à la perte de sang. La Bible dit que elle se disait en elle-même si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Je vous encourage vraiment à détourner votre regard des solutions humaines pour vous focaliser sur Dieu comme cette femme qui a su oublier tous les médecins qu'elle avait rencontrés pour se focaliser sur Jésus-Christ. Aussi, je vous encourage à persévérer et à crier plus fort que les oppositions jusqu'à ne plus entendre la voix de ses oppositions. Vous savez, Bartimée, il a crié plus fort que toutes les personnes qui étaient autour de lui. Et la Bible dit que les personnes lui disaient ⁇ Tais-toi ⁇ certainement parce qu'elles ont vu qu'il était mendiant et puis on le méprisait. Mais quand Jésus a dit ⁇ Appelez-le ⁇ ces mêmes personnes qui disaient ⁇ Tais-toi ⁇ sont venues le chercher pour dire ⁇ Le Maître t'appelle, viens. Et c'est comme ça, en fait, peut-être votre souffrance vient des personnes, mais sachez que ces mêmes personnes, Dieu peut les utiliser pour sortir de cette souffrance. Je vous encourage également à bannir la plainte. Je fais un peu plus vite. <laughs> bannir la plainte, parce que quelle que soit la situation par laquelle vous passez, vous devez vraiment développer ça comme... Ce, ce, ce paralytique que Jésus a renvoyé chez lui, il lui a dit Mais ne regarde pas, en fait, ne regarde pas aux autres. C'est ce monsieur de, qui avait fait 38 ans devant cette piscine. Ne regarde pas à ce qui se passe autour de toi. Ne regarde pas, peut-être, dans ta souffrance. Beaucoup sont passés par là et ils s'en sont sortis. Et toi, tu es comme Mais quand Mais quand Mais sache que Jésus peut arriver dans ta vie et aussi agir sur la base de la parole parce que Jésus a dit à ce monsieur Prends ton lit et marche. Marche sur la base de ce que le Seigneur t'a dit et crois-moi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ces histoires nous montrent que Dieu peut agir avec puissance. Si vous choisissez aujourd'hui de croire en sa puissance, en sa bonté et à vraiment fixer vos regards sur lui, à coup sûr, les souffrances que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Amen amen merci pour ta pensée super encourageante et euh, au moment où tu as commencé ta pensée, j'ai vraiment euh, comme entendu dans mon esprit une femme qui disait pas encore un thème comme celui-là où je vais encore croire et je vais encore être déçue. Et si c'est votre cas à la maison, peut-être que vous n'en pouvez plus puis vous nous, vous dites mais j'ai déjà tellement cru je veux même plus qu'on me donne, qu'on me fasse croire mm -hmm. que je peux avoir de l'espoir encore. Je ne veux plus. C'est un mensonge du diable. Il oui. y a encore de l'espoir. Il yes. y a encore de l'espérance pour vous. Et vraiment, mettez de côté cette parole et dites, ça peut être aujourd'hui. Ça peut être aujourd'hui, ce jour où, oui, l'eau de la piscine va s'agiter. Eh bien, non, Jésus va venir me chercher. Amen. Ça va être bien plus glorieux, bien plus puissant. Merci vraiment, Aurélie, pour cette pensée. Euh, on a un beau verset du jour aujourd'hui que j'aimerais vous présenter, Esaïe, 46 au verset 4, Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Je trouve ce verset tellement encourageant quand on passe par des années de difficultés, de souffrance. Dieu nous dit qu'il est avec nous maintenant, qu'il était avec nous avant, mais qu'il est avec nous jusqu'à notre vieillesse, jusqu'à la fin. Il veut encore nous porter, il veut encore nous sauver, Amen. il veut encore nous soutenir. Mm -hmm. Et on a besoin dans ces temps-là d'être encouragé et de savoir que Dieu est avec nous. Définitivement. Amen. Définitivement. Et puis, euh, je, je, vraiment, euh, t as, t as, ce que tu viens de communiquer, c'est très édifiant. C'est très fortifiant et Dieu veut vraiment. Euh, il, il nous accompagne dans, dans notre souffrance. Il nous accompagne. Des fois, c'est dur à croire parce qu'on souffre. Mm -hmm. Mais Dieu nous accompagne. Et je crois aussi que lorsque on, on, notre façon de gérer notre souffrance influence les autres. Mm -hmm. Ça influence les autres. Ça, 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 ça me rappelle un peu euh, le pasteur Rick Warren lorsqu'il avait perdu son fils. Euh, son fils s'était suicidé. Oh. Euh, et au moment où ce que. Euh, l'homme de Dieu était revenu pour euh, faire sa première prédication. Tous les médias étaient fixés sur lui hmm. pour voir comment il allait gérer ça. Oh. Et ça a été tout un témoignage. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc moi, je pense qu'on euh, doit prendre en considération que notre souffrance peut être carrément une évangélisation pour mm -hmm. plusieurs personnes. Mm -hmm. ouais. Effectivement, ouais. c'est sûr qu'on est dans des cas de souffrance, notamment quand la situation s'aggrave, ce n'est vraiment pas facile de, de, de même... Penser à tout ce qu'il y a après parce qu'on est dans cet engrenage-là en fait. Et c'est vraiment à ce moment que moi j'encourage les gens à, à ne pas euh, tomber dans le piège de la plainte parce que quand ça fait mal, ça fait mal. Mmh. Et ça, personne ne peut. Euh, euh, cette douleur, on peut la dépasser en fait. Et le piège, c'est souvent que euh, Satan va comme venir te montrer vraiment la situation et tu peux te retrouver en train de te plaindre mais j'encourage les personnes à délaisser ça quel que soit le degré l'intensité de la situation mais pour faire tellement confiance, euh, confiance à Dieu pardon il faut, que, il faut tellement mettre en avant en fait la bonté de Dieu jusqu'à ce que ce soit ça ton dernier mot. Mm -hmm. c'est quel est ton dernier mot par rapport à ça? c'est que Dieu est bon. Dieu est fidèle et que avec Dieu, comme le verset mmh. dit, jusqu'à ma vieillesse, Dieu ne m'abandonnera jamais. Et c'est souvent ça qui est difficile parce que quand on voit les choses arriver, vraiment, c'est pas évident. On n'a oh. pas toujours Alors, ce, ce réflexe-là. Mmh. Mais vraiment, si on transforme notre désert, le, les, les pleurs, les lamentations, en actions de grâce. Mais sans le savoir, on a commencé à sortir de la souffrance. Mmh. Même si la situation est encore visible, dès l'instant où tu réussis à prendre cette hauteur qui te permet de transformer tes lamentations en actions de grâce, tu es en train de sortir de ta souffrance. Mmh. Même si tu ne le vois pas encore, tu es en train de le faire. Tout à fait. Wow. Wow, C'est fort ce que tu dis, puisque euh, tu, tu parlais tout à l'heure de, de, de l'ennemi tu sais, qui vient jouer dans nos pensées. Vous savez, des fois, on est en train de souffrir et puis. On, 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 dans notre souffrance, je pense à, à Shadrach, Meshach et Abednego mm -hmm. qui étaient dans la fournaise mm -hmm. ardente. Mm -hmm. La Bible a précisé dans Daniel 3 que Nebuchadnezzar a vu un quatrième homme. Mm -hmm mais elle ne précise pas que Shadrach, Meshach et Abednego ont vu le quatrième homme. Donc moi, je pense que des fois, on, dans notre souffrance, Dieu va permettre à ce que nos ennemis voient que Dieu est avec nous. Mm -hmm. Amen. Et, 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 et pendant qu'on est là dans le feu, pendant qu'on est dans le feu, c'est surprenant de voir que la Bible a précisé que Nébuchadnezzar a dit, mm -hmm. je vois un quatrième homme. Ouais. -hmm. Donc peut-être pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on, on veut vous encourager de, de comprendre que, euh, les gens autour de vous vont voir que Dieu est avec vous dans votre amen. souffrance. Oui, ouais. Amen, Amen, c'est fort ça, c'est fort. Et vraiment, il euh, y, y a un truc qui est, qui est épouvantable, je trouve, dans le temps de l'épreuve, c'est quand euh, on, on perd sa paix carrément. Mm -hmm. On n'a plus la paix, c'est sûr, on, on perd la joie en général, premièrement. Il euh, y, y a plein de choses qu'on perd, il hein. y, y a comme une, une ombre qui vient sur nous, mais cette perte de paix, quand on, on de, on, ça devient de l'oppression finalement ouais, en fait. Ouais. Non seulement il y a la souffrance, mais en plus, on n'a plus plus la paix, de rien du tout en fait. Mmh. C'est comme une oppression qu'elle a sur nous en permanence, c'est une lourdeur et là, on, le diable peut jouer avec nous de, ouais. dans nos émotions, dans nos pensées, dans toutes sortes de choses au point de nous voler notre sommeil par des inquiétudes à non ouais. plus finir mmh. et ça, ça prend une ampleur gigantesque au point où, où l'épreuve elle-même est plus faible encore que l'oppression qui se rajoute mmh. par-dessus mmh. et ça, c'est vraiment dur et c'est là où on doit en tant que chrétien réussir à se positionner vraiment ouais. et à fermer la porte à toute oppression, à, à toute peur, à toute inquiétude et fixer nos yeux sur le Seigneur autant difficile que ça peut être dans certains ouais. cas, rester focalisé sur le Seigneur pour que surtout on ne se fasse pas voler notre ouais. paix, c'est tellement précieux. Oui, et puis tu sais par rapport à ce que tu dis Yveline, c'est que dans des situations de souffrance, on va toujours vouloir imposer leur rythme oui. et ce rythme là justement ça va avec toutes sortes d'oppressions en mm -hmm. fait mais vraiment en tant que chrétien on ne doit pas rester dans les limites que nous impose cette situation et il faut pas oublier que Dieu est bon et Dieu Amen. Dieu aime tellement ses enfants que même dans quelle que soit la souffrance la plus terrible, dès l'instant où on tourne le regard vers Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une hauteur que tu prends, même si la situation n'a pas changé, la chose peut encore être là, mais il y a une hauteur que tu prends avec Dieu qui te donne la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et quand tu as cette paix, parfois même tu vas prier, et il y a même des paroles, il y a même des choses que Dieu va te révéler où tu sais que tu sais, la situation n'a pas encore changé, mais parce que tu sais, tu vas savoir qu'il y a une fin à cette souffrance qui est dans ta vie actuellement. Et tu vas commencer à te déployer non plus en regardant à tes circonstances, mais vraiment en pensant à ce que Dieu t'a dit. Oui. Et c'est une attitude qu'on doit avoir parce que Dieu parle. Dieu et il donne vraiment... Euh, des choses qui te font prendre de la hauteur. Il te donne l'espérance. Il te donne la paix. Et chaque fois que la souffrance va, voulu, va vouloir frapper à ta porte, que les circonstances vont vouloir te rappeler que c'est difficile, que la dame, comme tu as dit, euh, qui regarde l'émission au début, qui va dire, on va encore me parler de ça. Mais chaque fois que cette pensée va arriver, il va falloir que tu te rappelles de ce que Dieu t'a dit dans le lieu secret et que tu restes sur cette hauteur-là. Et j'encourage les gens à déclarer ces choses que Dieu leur a dites, à prononcer vraiment ces paroles que voici. Ce que Dieu m'a dit. Il a dit qu'il y aura une fin à cette souffrance. Les eaux ne me submergeront pas. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est moi qui vais sortir vainqueur de cette vallée-là. Oui. Commandez à la situation et on va la voir disparaître. Amen, amen. Avant de passer au conseil du coach, on va regarder une citation euh, qui est de Warren Wagg, désolé je le prononce affreusement mal, qui a dit La pression de l'extérieur devrait nous rendre plus grands de l'intérieur. Et c'est ce dont vous allez nous parler, euh, pasteur Daniel. C'est justement cette puissance qui se cache derrière la souffrance, et on y va tout de suite dans la rubrique Conseil du Coach. Bonjour mes chers amis, j'aimerais aujourd'hui euh, parler d'un sujet qui est euh, un peu difficile. Euh, Lorsqu'on parle de souffrance, c'est toujours, c'est pas vraiment le fun d'écouter euh, un thème par rapport à la souffrance, mais j'aimerais vous dire quelque chose d'important euh, aujourd'hui, c'est que notre souffrance peut se transformer en puissance. Notre souffrance peut se transformer en puissance. Et pour débuter, j'aimerais euh, juste vous raconter peut-être quelque chose de... Euh, une petite histoire ou euh, quelque chose d'intéressant euh, pour bien installer ce que j'aimerais vous dire. Euh, je ne sais pas si vous saviez, mais euh, saviez-vous que les, les huîtres, les euh, petits animaux marins, lorsque... Euh, euh, on, on regarde l'huître, saviez-vous que l'huître passe par une irritation constante lorsque un grain de sable se retrouve dans sa coquille? Et c'est à partir de ce grain de sable avec qui se loge dans la coquille d'environ de 2 à 6 ans, cette irritation constante, l'huître le, 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 n'est pas en mesure d'enlever le grain de sable, est obligé de rester avec. Et euh, cette, ce grain de sable qui reste dans la coquille de l'huître produit ce qu'on appelle une perle. Imaginez-vous l'irritation d'un petit animal marin que produire la joie d'une femme euh, dans son cou avec un bijou ou avec une bague. Et je vous dis ça euh, aujourd'hui, chers amis, pour vous dire qu'il est possible qu'une souffrance se transforme en puissance il est possible qu'une douleur carrément devienne quelque chose de valeur imaginez-vous euh, euh, chers amis que l'huître euh, euh, est dans, dans cette irritation constante elle est là elle, peut, elle fait des mouvements elle fait tout pour enlever euh, euh, le, ce grain de sable mais le grain de sable reste et qui aurait pensé que au fil des années ça deviendrait quelque chose de précieux Imaginez-vous, j'aimerais vous dire quelque chose. Écoutez ça lorsque Dieu permet une souffrance dans notre vie, c'est qu'il a l'intention de produire quelque chose de précieux dans notre vie. Je sais que peut-être il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui et vous vous dites "Écoutez Daniel, c'est difficile ce que je passe." Mais j'aimerais vous encourager en vous disant que si Dieu le permet, c'est qu'il a l'intention de produire quelque chose de précieux dans notre vie. Écoutez ce que un Pierre 1, 6 et 7 nous dit, il va nous dire, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que l'or périssable, cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lorsque Dieu permet une souffrance, dans notre vie, c'est qu'il a l'intention de produire quelque chose de précieux dans notre vie. La, la souffrance, c'est quoi? La souffrance, de la souffrance à la puissance, c'est lorsque Dieu permet une défaite, mais qu'elle se transforme en victoire. C'est ce que Joseph a dit dans Genèse 50, verset 20 il a dit, Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé, l'a transformé en bien. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, ayons cette espérance, ayons la foi aujourd'hui que oui, c'est vrai qu'on souffre pour le moment, mais Dieu va le changer en bien. Écoutez ça, Dieu ne va jamais permettre une couronne sur la tête d'une personne sans qu'une croix ne soit endurée par cette personne. C'est un peu difficile ce que je dis, mais écoutez ces paroles dans Matthieu 16, verset 24. Il va dire Alors Jésus dit à ses disciples Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Avant que Dieu place une couronne sur notre tête, il va s'assurer qu'on endure. Vous savez, je pense un peu à la tomate. La tomate, elle commence verte, hein, et puis lorsqu'elle est verte, elle doit passer par la chaleur. Hein, j ai, j ai, on peut imaginer si la tomate pourrait parler, elle pourrait dire mais pourquoi cette chaleur, pourquoi je dois passer par tout ça, pourquoi ce, tout ça se passe dans ma vie et peut-être c'est ça que quelqu'un se dit aujourd'hui pourquoi cette, ce niveau de chaleur dans mon mariage, pourquoi ce niveau de chaleur dans dans mon emploi, peut-être que vous m'écoutez que ça fait longtemps que vous travaillez à cet emploi et que vous l'avez perdu et vous, là maintenant il y a une pression économique, pourquoi cette chaleur C'est que Dieu essaie de nous maturer. La tomate est obligée de passer par cette chaleur pour passer par son processus de maturation. Euh, et la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 10 euh, Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez, vous aurez souffert un peu de temps vous perfectionnera lui-même et, et vous affermira, vous, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Pourquoi Parce qu'il y a des situations dans la vie qui ne peuvent pas être esquivées. Elles peuvent seulement être endurées. Je vais répéter. Des situations dans la vie qui ne peuvent pas être esquivées, elles peuvent seulement y, euh, euh, on, on doit seulement l'endurer. On, on, on doit traverser. On doit passer par là. Et je crois que euh, vous qui m'écoutez aujourd'hui, quelqu'un peut dire Mais Daniel, j'ai de la misère. Écoute, tu sais, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi est beaucoup plus important et beaucoup plus puissant que toutes les circonstances autour de toi. Éphésiens 3, à 20 va nous dire or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc, il est possible de passer à travers par l'esprit de Dieu à l'intérieur de nous qui nous fortifie. Et je veux dire à quelqu'un, je veux dire quelque chose aujourd'hui à quelqu'un. Notre Dieu est le spécialiste de la restauration. Il est un spécialiste de restauration. Écoutez ce que Michel 7 nous dit. Il va nous dire ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car je suis Tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'éternel sera ma lumière. Donc, Dieu est le spécialiste de la restauration. Si tu es tombé, Dieu est capable de te relever. Je crois qu'il va le faire aujourd'hui. Toi, pendant qu'il nous écoute aujourd'hui, pendant même que tu nous écoutes, je crois qu'il y a une victoire que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tu sais, moi, je, le conseil que je, je donnerais, c'est de ne, pas, ne, ne nous plaignons pas aujourd'hui arrêtons de nous plaindre, réjouissons-nous plutôt de notre récupération. C'est ce, ce que Dieu a dit à David dans 1 Samuel 30, il va nous dire, poursuis-les. Avait, il avait passé par un moment de, 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 de pleurs intenses, on avait kidnappé ses femmes, ses enfants, et puis il savait pas quoi faire, et puis Dieu va lui dire, poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer, tout récupérer. Il y a une date d'expiration à ton problème. Ton problème ne peut pas rester pour toujours. Il y a, il y a une date de fin. C'est ce que Proverbe 23, 18 nous dit. Il va dire, certainement, il y a une fin et ton attente ne sera pas réduite au néant. Gloire à Dieu. Dieu, chers amis, est à son meilleur lorsque nous nous trouvons dans le malheur. Je répétais, j'ai dit, Dieu est à son meilleur lorsque nous nous retrouvons dans le malheur. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être tu te trouves dans le malheur. Quelle belle occasion pour que notre Dieu nous sorte de ce malheur. Euh, et c'est ce que Psaume 9 nous dit. Il va nous dire, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse, un refuge au temps de la détresse. Euh, vous savez, euh, je vous dis, votre désespoir, notre désespoir est comme un couloir pour nous emmener à une grande victoire. C'est comme un couloir. Je sais que ce n'est pas facile euh, lorsqu'on est dans la souffrance. Vous savez, moi, l'année passée, j'ai été éprouvé euh, d'une manière qui est quand même assez sérieuse. Euh, l'année passée, imaginez-vous, j'ai perdu mon épouse à l'âge de 40 ans seulement. Imaginez-vous, euh, elle était malade et j ai, j ai, je pensais que... Euh, qu J'aurais jamais pensé que, 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 que ça, dès quelque chose comme ça serait arrivé. Et laissez-moi vous dire, chers amis, vous qui souffrez aujourd'hui, je vous comprends. J'aimerais vous dire que Dieu est capable de changer notre souffrance en puissance. C'est sa spécialité et il va le faire pour nous aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, ne perds pas espoir, ne perds pas espoir aujourd'hui. Je sais que tu es peut-être fatigué mentalement. Et je prie aujourd'hui que, que pendant même que tu écoutes cette émission, que l'Esprit de Dieu te fortifie qui te donne le courage pour passer à travailler. Il y a des choses, tu peux te dire, oui, mais Daniel, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Je ne vais jamais oublier ce que, ce que l'homme de Dieu m'a dit lorsque je, je, me, je me posais la question. Je disais, mais Seigneur, pourquoi? 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 Et, 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 et l'homme de Dieu m'a dit, Daniel, arrête de dire pourquoi, mais dites plutôt quoi? Quoi faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire avec tes enfants? Qu'est-ce que tu vas faire avec ton ministère? Il y a quelqu'un qui souffre aujourd'hui. Et Dieu te dit... Qu'il va changer ta souffrance en puissance. Je vais prier, euh, avec euh, vous cet après-midi, ou bien peu importe lorsque vous écoutez cette émission, et je crois que euh, Dieu est capable de le faire et il va le faire. Ne sois pas découragé. C'est difficile, je le sais. Tu pleures et c'est correct de pleurer. Tu te poses des questions et c'est correct. Mais il y a une autre, il y a un autre côté de la souffrance. Il y a, il y a, il y a, il y a un après. Il y a une date d'expiration à ton problème. Admirable Père, nous te louons, Seigneur. Aujourd'hui, nous te bénissons et nous savons, Père, que dans ces moments de souffrance, que tu es là avec nous. Seigneur, je je sais, Seigneur, que mon frère ou ma sœur qui m'écoute aujourd'hui passe des, par des moments difficiles. Et je prie, Seigneur, que tu puisses fortifier. Je prie, Seigneur, que tu puisses guérir. Je prie, Seigneur, que tu puisses bénir. Et je prie surtout. Que tu puisses donner la force d'endurer afin que nous puissions passer à travers ce problème. Fortifie mon frère, fortifie ma sœur, et donne-lui, Seigneur, la force parce que tu as dit, Seigneur, que l'esprit qui est à l'intérieur de nous est beaucoup plus puissant que les circonstances à l'extérieur de nous. C'est dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Et pour, je veux juste te dire quelque chose. J'ai été dans une conférence. Une fois, et puis il y a, a, a quelqu'un qui m'a vu, qui savait qu ce que j'avais passé l'année dernière, et puis il m'a dit Daniel, tu ne ressembles pas à ce que tu as traversé. Et c'est ce que j'aimerais te dire. De la même manière que Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'ils sont sortis du, de la fournaise ardente, la Bible nous dit qu'il n'y avait aucune odeur sur eux, même pas de feu. Donc je veux déclarer sur ta vie que tu ne vas pas ressembler à ce que tu as traversé. Passe une bonne journée. Amen. Ah, oh, merci, pasteur Daniel. Venez nous retrouver à la table. Quel magnifique conseil du coach. Merci beaucoup. C'était extrêmement encourageant, fortifiant. Et euh, je pense que à la maison, ça vous a fait énormément de bien et j'ai senti comme un cœur à cœur avec des personnes. Ouais. C'était comme un entretien individuel que vous aviez avec certaines personnes. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti à la maison, mais euh, vraiment soyez euh, encouragés, fortifiés par les pa paroles du pasteur Daniel. Oui, vous avez traversé euh, une épreuve vraiment des, des plus douloureuses, je ne peux même pas imaginer. Euh, mais gloire à Dieu, vous êtes encore debout aujourd'hui, vous servez encore le Seigneur et c'est tout un témoignage vraiment pour, pour nous qui avons euh, nos difficultés, pour ceux qui nous écoutent à la maison qui ont leurs difficultés. Et soyez encouragés par ce que le pasteur Daniel a dit. Euh, S'il s'en est sorti, vous pouvez vous en sortir vous aussi. Il y a vraiment de l'espoir. Il y a une lumière au bout du tunnel. Ce n'est pas sans fin. Il y a une date d'expiration à votre problème. J'ai aimé cette, cette citation. C'était extrêmement encourageant. Et on va continuer avec le pasteur Daniel. Vous allez être avec nous encore demain. Et on va continuer à parler de ce thème de l'épreuve, de la souffrance. Quel est ton regard sur l'épreuve de l'autre On va voir comment ben, nous-mêmes, notre attitude est un témoignage pour les autres et comment aussi nous, en regardant les autres passer par l'épreuve, notre réaction est importante et peut changer la situation pour les autres aussi. Donc on en parle demain dans l'émission Bonjour chez vous. Merci de nous avoir suivis. Soyez vraiment fortifiés dans ce que vous avez à traverser. Bonjour chez vous.